Cette affaire maintenant qui secoue le petit monde de l'hôtellerie à Foix. Un patron et l'un de ses employés sont en effet poursuivis pour proxénétisme aggravé. Les deux hommes sont accusés d'avoir délibérément laissé agir des prostituées espagnoles dans leur établissement. Ces deux derniers mois, jusqu'à 5 chambres pouvaient être simultanément louées pour de soi-disant massages. L'enquête de Laurent Winsbach et Pascal Dussol. Les prostituées d'origine espagnole proposaient des massages sans équivoque sur un site internet de petites annonces. De 10h du matin à 22h, elles fixaient rendez-vous à leurs clients dans un hôtel franchisé situé à l'entrée de Foix, dont les chambres sont directement accessibles depuis l'extérieur. Des chambres louées pour la semaine et payées en liquide. Durant 2 mois, les policiers ont surveillé les allées-venues des clients pour établir que ce trafic ne pouvait échapper aux responsables de l'établissement. Il a été clair que le président, puisque c'est le président de l'hôtel, était au courant des agissements qui se déroulaient dans son hôtel, et ce de façon quasi quotidienne, hein, puisque nos surveillances et nos investigations sur le papier ont permis de savoir que sur les seuls mois de janvier et février, excepté 2 ou 3 jours où il n'y a pas eu de prostituées, il y en a eu tous les jours. Fort des preuves accumulées, les policiers de la brigade de sûreté urbaine de Foix ont procédé à plusieurs interpellations en milieu de semaine dernière. Le président de l'hôtel, sa société et un employé sont poursuivis pour proxénétisme aggravé. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir aidé, assisté à la prostitution de ces femmes, notamment par la mise à disposition de chambres, mais aussi de menus services qui ont pu leur être rendus, notamment les véhiculer. Et le deuxième aspect, qui est l'aspect le plus courant du proxénétisme, c'est le fait d'avoir reçu de l'argent dont on savait qu'il provenait de l'activité de la prostitution. Déjà connu des services du tribunal de Foix, le patron de l'hôtel a été placé sous contrôle judiciaire avec une caution fixée à 20 000 euros. Lui et son employé devraient être jugés le 5 mai prochain.